Eh bien, salut à tous, c'est Monsieur Cédric. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de présentation de map sur la map d'Unalka. Alors, prenez pas attention. Au bout d'une semaine et demie de vacances, je reviens. Très content de faire un petit live jeudi soir avec mon ami Sébastien. Et malheureusement, de la nuit de jeudi à vendredi, j'ai attrapé la grippe. Donc, j'ai fait 2-3 jours au repos, sous médicaments et tout. Mais là, je suis encore un petit peu pris au niveau des bronches. Donc, prenez pas attention si vous voyez que je suis un petit peu essoufflé ou si j'ai un peu de mal à parler. C'est tout à fait normal, les amis, ne vous inquiétez pas. J'espère que ça ira mieux d'ici là. Donc, tout de suite, on se retrouve sur cette map. On va directement démarrer la petite map. Le personnage, on va le laisser comme ça. Alors ici directement on spoil je pense, ben voilà, un autre corps de ferme, voilà. Bâtiment traditionnel, on connaît la maison. Ici avec notre atelier. Bâtiment de base, apparemment on aurait, oui, voilà. On a les petits objets à récupérer, je pense. Hein. Ça c'est pour allumer la lumière. Attendez. Hop, alors on peut pas récupérer? Ah, ce serait peut-être en... Tiens donc, pourquoi on pourrait pas récupérer? Ah ça y est, allez, récupérer. Voilà, ouais. Ah mais 1000, voilà. Donc on a des petits objets comme ça, des petits tracteurs je suppose. Je sais pas si ça reste toujours des petits tracteurs ou... Non, on a l'étage ici. On connaît ce bâtiment. Hein. On l'avait déjà vu, hop. On l'avait déjà vu, on connaît le petit panier de basket si on voudrait se faire un petit basket. Hop. Voilà. Alors matériel, on a notre John Deere 45, 47, pardon, 55. Excusez-moi. On connaît le cultivateur, le semoir. La petite remorque avec la dolly. Les dolly, qu'est-ce que j'ai horreur de ça? Ah oui. C'est horrible. Donc voilà, pour notre corps de ferme. Alors ici, qu'est-ce que nous avons ici? Est-ce que c'est un objet de décoration? Je pense que c'est un objet d'un bâtiment de décoration. Je pense. Ici apparemment, on pourrait peut-être prendre de l'eau, peut-être ici. Ça se peut, mais sinon, voilà. Alors on va faire un petit menu F12. Forcément, je ne l'ai pas enclenché. Ça, c'est super. Pourtant, il me semblait l'avoir mis. Ça, c'est embêtant. Ce n'est pas grave, on va directement se rendre sur le PDA. Alors, vous allez voir, sur le PDA, c'est vraiment une map photoréaliste. Regardez-moi ça, c'est super bien fait. Par contre, les champs, il y a des champs, ça va. Comme le 88, il n'est pas trop grand. Le 90, pas trop grand. Par contre, quand on voit le 22, il est gigantesque. Hein. Gigantesque, hein, c'est... Waouh! Mais en tout cas, c'est propre. Hein. C'est très, très, très propre. Alors, quand on commence en tant que nouveau fermier, qu'est-ce qu'on a comme champ qui nous appartient? Ah, bon, on a le champ 35. On n'a que celui-là qui nous appartient. Voilà. Alors ici on a notre corps de ferme, on a notre silo qui est ici. Ici on a la boulangerie, on va directement aller se rendre à la boulangerie, voir un peu comment c'est. Bon, boulangerie on connaît aussi, hein. Toujours les bâtiments de base. Ah vous voyez ici, hop, on a encore, voilà, c'est toujours 1000, ouais. Ah c'est un petit cheval, un petit cheval là les amis. Mais aussi qui est le ouais, joli avec un petit pain comme ça là. Mais bon on connaît hein, c'est les bâtiments de base. Excusez-moi les amis. Pas toujours évident de récupérer son souffle. Hop. Ici on a la station de chaux. Impeccable. Ici nous avons John's Market. Alors là, ça doit être quoi? Ça doit être la Syrie. Attendez. Que je ne dise pas de bêtises. Ah non, c'est pour les légumes.
Voilà, c'est pour les légumes. Ah, et ici on a encore un petit objet à récupérer. Et toujours 1000 euros, ouais, voilà, toujours 1000 euros. Vous voyez? Plutôt bien fait aussi. Ah, là-bas, qu'est-ce qu'on a comme bâtiment? Hop. Alors ici, apparemment, on peut monter, hein. Ah, il a laissé ses outils sur le toit. Il peut faire des réparations, le fermier. Plutôt sympatoche. Hein. Encore avec des petits objets comme ça qu'on peut récupérer qui sont placés un peu partout sur la map. C'est plutôt chouette. Alors la menuiserie. La menuiserie. Traditionnelle aussi, ce sont des bâtiments qu'on connaît. Hein. On a l'habitude de voir. Au niveau des bâtiments, c'est vrai que c'est dommage, on devrait pouvoir avoir d'autres bâtiments pour dire de renouveler un peu tout ça et avoir d'autres bâtiments que ça change, que ça apporte un petit peu de renouveau. Mais c'est déjà pas mal qu'on a pas mal de maps qui sortent. Hein. Avec des petits objets encore ici qui sont placés. Hein. Je l'aime plutôt bien cette map. Par contre, les champs, ils sont extrêmement... Regardez le 28. Regardez le champ 28. Oh. Non, mais c'est incroyable, quoi. Celui qui achète le champ 28, je pense qu'il est parti pour 4 mois de labourage sur le champ, là. Oh, ouais. C'est juste incroyable. Alors, traitement du raisin. Voilà. Ah, voilà, on a une petite citerne qui se cache ici. On va pas tous les prendre. Hein. Traitement du raisin, on le connaît aussi, les amis. Voilà. C'est plutôt bien fait. C'est très très propre. Les bâtiments sont bien placés, je trouve. Au niveau de la map, ils sont bien mis. Avec les petits chemins pour y accéder. Tout ça propre. Ah, c'est bien fait. Le mappeur a très très bien travaillé. Et moi, ce que j'adore, c'est la photo réaliste comme ça, quoi. C'est juste magnifique. Alors, donc on était ici. On va continuer par ici. Laiterie, fromagerie, fromage de lune. Enfin, on connaît. Hein. On connaît, on connaît. Les bâtiments ici. Hein. Alors, on va pas s'attarder sur les bâtiments. On les connaît. La scierie. Ici, on a biomasse. Ici, c'est la scierie. Avec le biomasse à côté. Regardez-moi ça, les amis. C'est très très propre. Hein. Franchement, le mappeur, il a très très bien travaillé là-dessus aussi. GG à lui. Avec ses petits chemins comme ça, c'est. Ouais, c'est. C'est joli. On va se rendre ici à la station de service. On a le broyeur à débris. On a le concessionnaire. Tiens, on va aller voir le concessionnaire. Ah ouais, le concessionnaire, il est joli. Ça change un peu du concessionnaire habituel qu'on voit. Plutôt sympathique, ouais. Ah ouais, mais le concessionnaire, il serait plus ici. Voilà, ouais, le concessionnaire, voilà, ouais, voilà. Excusez-moi, les amis. Voilà, le concessionnaire, il est ici. Clever Motors. Alors là, apparemment, on aurait un bâtiment de stockage. Voilà, on peut stocker aussi du matériel là si vous voulez. Et c'est assez étendu, c'est assez, ouais, assez ouvert. C'est chouette, j'aime bien. Broyeur à débris ici pour faire pour broyer nos pierres. Un petit panneau ici, hein. Clever Motors. Donc voilà. Ici, moulin à grains. Moulin à grains, il est joli aussi, j'aime bien. Je n'ai pas encore vu ce bâtiment-là, je pense. Ça ne me dit rien de mémoire, ça ne me dit rien. Ça, c'est. Ouais, non, franchement, c'est très bien fait.
Très très bien fait. Les silos gigantesques ici. Ouais, franchement, très très propre. Très 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 propre. On va redescendre ici, produits laitiers. Alors on a des petites étendues d'eau comme ça. À voir si maintenant on pourrait venir directement avec un tracteur, mais je pense que si on vient, on regardera après sur le PD là où on peut, ici encore une petite citerne. Mais il y a des endroits où on doit pouvoir venir avec un tracteur et remplir nos cuves, voilà, vous voyez. Il y a des endroits où c'est assez, assez plat. Puis on va un peu par là, hop, j'y vais à la nage, excusez-moi les amis. Et vous voyez, il y a des endroits où on pourra, on va regarder après, mais il y a des endroits où on pourra venir sûrement remplir notre citerne. Voilà, le fast-food. Allons voir le fast-food. C'est bien ça, le fast-food. Hein. Il faut se nourrir. Hein. Un petit restaurant dîner. Ici, il est un petit peu dans les buissons. Il est un peu caché. Hein. Mais très bien mis. Très très propre aussi les amis. Hein. Alors ici, les tri fromagerie, on a vu. Ici, station de chaud. Négociant en bétail. On va aller voir le négociant en bétail. Ah, le négociant en bétail, il est joli. Hein. Avec de quoi ici, un petit bâtiment de stockage. Ah ouais. Ah ouais, ça fait un peu... ranch américain comme ça. Ah ouais, regardez ça. Ah ouais, ah non, c'est très très beau. Hein. C'est très 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 propre. Regardez-moi ça, les amis. Ah ouais, j'adore. Ah, on va essayer d'aller par là. Hop, hop, hop. Allez, saute. Ah non, il veut pas sauter. Voilà. Ouais, non, c'est... C'est très bien fait. J'aime beaucoup, ça fait vraiment, ouais... ranch américain, comme ça, c'est... C'est très très joli, c'est assez grand. Franchement, là, ouais, le négociant en bétail... il est gigantesque, hein. Ouais. C'est très propre. Donc voilà pour le négociant en bétail, les amis. Hop, négociant en bétail, ça on a vu. Station de chaud, on connaît. Moulin à l'huile. Moulin à l'huile, que ça le bâtiment, on connaît. Hein. Bâtiment de base aussi. Avec une petite maisonnette à côté, là. Un petit chalet. Ça doit être le concierge qui est dedans. Et la petite grange ici abandonnée, on dirait, ouais. Ça fait joli. J'aime bien. C'est assez joli, c'est assez beau. Je kiffe. Franchement, n'hésitez pas à donner votre avis, les amis, dans les commentaires. À lâcher votre plus gros pouce bleu, les amis. Et à vous abonner si jamais c'est pas encore fait. N'hésitez pas, c'est gratuit. Et moi, ça soutient la chaîne et ça me fait grave plaisir. D'ailleurs, merci aux 151 abonnés qui me suivent. Merci à vous tous, un grand grand GG à vous tous. Et n'hésitez pas à faire péter, on vise les 200 abonnés là. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et surtout d'activer la petite cloche de notification pour être sûr de rater aucune des vidéos et des lives qui vont reprendre ici. Comme je vous ai dit, j'ai été malade et là j'avais été une semaine et demie en vacances avant. Donc voilà, n'hésitez pas les amis. Merci à tous ceux qui le font en tout cas. Donc on continue ici, hop, on va ici à l'usine à céréales. Grosse usine à céréales. Qu'on connaît aussi. Hein. On va pas non plus s'attarder dessus. Mais je pense qu'on a fait le tour les amis, hein. Ouais, on a fait le tour. Hein. On va regarder au niveau des points d'eau. Les points d'eau, les points d'eau, les points d'eau. Que c'est vu comme ça, c'est vrai que c'est pas très évident. Et j'ai pas su mettre, enfin j'ai oublié de mettre
Le F12 pour faire les modes survol. Et le speed player, mais je sais qu'il y a pas mal de points d'eau sur cette map, les amis, où on peut directement les se ravitailler avec notre cuve pour venir prendre de l'eau directement et ne pas la payer. Parce que vous savez que si jamais on installe directement sur notre ferme de quoi prendre de l'eau, on peut, mais à ce moment-là, on la paye. Là, après, c'est chacun fait comme il veut. Au niveau des champs, on voit qu'il y a des champs qui sont de taille moyenne, de petite taille, et on voit qu'il y a des champs comme le 28 qui sont gigantesques. Et ouais. Mais après, j'aime bien, c'est le photoréalisme qu'il y a sur cette map, c'est vraiment incroyable. Excusez-moi, les amis. Hein. Je me remets tout doucement de mon petit rhume. Là. Voilà, regardez sur ce PDE. Il est juste incroyable. Et nous avons 91, 91, ce qui dit mieux. 92, 100, 101. On aurait quand même pas mal de champs, hein. 101, qui dit mieux, qui dit mieux. Je n'en vois pas plus. Donc si je ne dis pas de bêtises, je pense qu'on a 101 champs. Si je ne dis pas de bêtises, hein. Je regarde bien quand même avant. Oui, nous aurions 101 champs. Et nous commençons avec le champ 35. Donc ben voilà les amis, petite présentation de cette map là, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu pour la petite présentation de map. Excusez-moi encore si j'ai du mal un petit peu à parler, je suis un peu essoufflé, c'est vrai. Mais vous inquiétez pas, je prends soin de moi, je me soigne. Vous aussi d'ailleurs les amis, n'hésitez pas à prendre soin de vous. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Je vous remercie. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les lâcher dans l'espace commentaire, j'y répondrai volontiers. D'ici là, les amis, je vous souhaite de prendre tout soin de vous et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, les amis. Allez, ciao à tous!